Salut les rebelles intelligents. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'un projet que j'ai pour la chaîne. Parce qu'au final, je parle quand même de beaucoup de choses et il y a aussi pas mal de formats sur la chaîne. En termes de format, on a les vidéos où je suis ici chez moi à Londres, on a les vidéos où je me balade un petit peu partout dans le monde, on a les vidéos de livres illustrés tous les lundis que vous adorez. En quatrième, on a des interviews, en cinquième, on a des chroniques de livres non illustré, que vous aimez aussi beaucoup. Et je me suis dit qu'il manquait une chose. C'est la mise en avant de rebelles intelligents célèbres, qui sont parfois tellement célèbres que c'est difficile, voire même impossible d'obtenir des interviews pour des gens qui ne sont pas journalistes ou qui ne sont pas au moins aussi célèbres qu'eux. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'aller regarder les interviews qu'ils ont données et d'essayer d'en tirer des pépites, des conseils qu'ils partagent pour avoir une meilleure vie et aussi être de meilleurs rebelles intelligents, de meilleurs entrepreneurs. Et la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Omar Sy, le célèbre comédien, parce que non seulement il a eu une trajectoire hallucinante, il est aussi une des personnalités les plus appréciées des francophones, et puis il est vraiment pas avare de conseils et aussi de partage sur les difficultés qu'il a vécues dans sa vie lors des interviews. Donc voilà, je vous fais l'annonce, avant la fin du mois, il y aura la vidéo d'Omar Sy qui va être publiée, donc ce sera très intéressant pour moi de voir eh bien, vos réactions par rapport à ce nouveau format. Et d'ailleurs, je vous pose la question, les rebelles intelligents, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Et aussi, après Omar Sy, quels sont les rebelles intelligents célèbres que vous aimeriez que je mette en avant, hein, c'est-à-dire que j'aille vraiment décortiquer les conseils qu'ils partagent dans leurs interviews pour en tirer la substantifique moelle, vraiment l'essence de ce qui a fait leur succès pour nous inspirer à réussir davantage dans nos vies. Partagez-le dans les commentaires, ce sera très intéressant de voir ce que vous en pensez et aussi vos idées de rebelles intelligents à mettre en avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent. Et puis faites partie des gens qui sont inspirés par les réussites des autres. Ciao !